La personne, non, vous coupez la place, pas les autres vont arriver.
Alléluia. Bien de Dieu, soyez fortifié. Vous avez vu cela de nous. Aller au ciel, ce n'est pas facile. Alléluia. Aller au ciel nécessite un travail. Et c'est un travail qu'on doit le faire avec toute notre force. Que le sang fortifie abondamment. Bien de Dieu, qui sait pourquoi il est là, qui sait pourquoi il a gêné. On va aller pas à pas. Fait que chacun prend la parole pour parler. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es là? Tu vas venir que le Seigneur te délivre. Te délivre de quoi? Te délivre du péché. D'accord? Ça, c'est selon toi. Ma soeur, comment tu t'appelles? Soeur Marie. Pourquoi est-ce que tu as jeûné? Non, non, j'ai dit pourquoi est-ce que tu as gêné? Tu as gêné, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas resté dans la maison? Parce que la délivrance est plus possible pour m'approcher un peu. Bien, monsieur, c'est quel nom? Comment? Léa. Elle n'a pas gêné. Elle est venue t'accompagner. Tu as gêné? Bon, moi je suis là pour le scanner. D'accord. On peut te mettre ici. Comme toi, il faut tout à fait. Le Seigneur te délivre de quoi? Que la vie te délivre de quoi? Comment? Faut dire quelque chose. Alléluia. Bienvenue de Dieu, ton amen est fait. Ça va, tu es mouche. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu as gêné. Mais ton amen, amen, ça veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Bienvenue de Dieu, sois fortifié. Et comprenez que je vous présente le rebelle, voilà, le rebelle des nations, je dirais bien, est une église qui est en train de préparer les âmes du ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas une église où les gens viennent recevoir la délivrance et puis retournent. Alléluia. Ça, c'est un hôpital. Alléluia. L'hôpital n'est pas un docteur de quelqu'un. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu sois une fois que tu es guéri. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à la maison. Mais ici, là, si tu as pris l'engagement d'accepter la sainte prière, si tu as pris l'engagement de prendre un moment de jeûne pour que le Seigneur te délivre, lorsque le Seigneur va te délivrer, tu vas rester au pied du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que la trompette sonne et que tu montes, alléluia, aller dans le royaume de ton Père. Amen. 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 Et bien, Dieu, si tu as pris l'engagement de venir dans ce lieu, c'est pour avoir ta délivrance et servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est venu pour nous délivrer? Tu as venu que le Seigneur te délivre pour que tu retournes, c'est ça? C'est ça? D'accord. Et malheureusement, ici, le Seigneur ne délivre pas les personnes qui retournent. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Si tu as pris l'engagement de venir ici, c'est que quand le Seigneur va te délivrer, quand tu vas te restaurer, quand il va te remplir de son esprit, tu dois le servir tous les jours de ta vie. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle à lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Bien de Dieu, nous allons voir un serviteur de Dieu dans la Bible. Un serviteur de Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Selon Zacharie chapitre 3. Homme de Dieu, tu vas me dire la lecture. Zacharie chapitre 3, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zacharie chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Écoutez bien cette parole.
Je lis au nom de Jésus. Il me fit voir Josué. Zacharie dit que Zacharie est un prophète. Il dit qu'il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Serviteur de Dieu. Souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan était à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là qu'ils ont arraché au feu? N'est-ce pas là qu'ils ont arraché au feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Or Josué était couvert de quoi? Vêtements sales. De vêtements sales. Alléluia. Vas-y. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Verset 5, je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et mit un turban pur sur sa tête et lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. L'ange de l'Éternel a dit ceci. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Si tu marches dans mes voies. Si tu marches dans mes voies. Et si tu observes mes ordres. Si tu observes mes ordres. Tu jugeras ma maison. Tu jugeras ma maison. Et tu garderas mes parvis. Et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Mais Josué s'est présenté devant l'ange de l'Éternel. Peut-être qu'il était en train d'aller au ciel. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Satan était à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien de Dieu, Satan ne fait rien en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sur tout ce que Satan fait, il s'appuie sur la parole de Dieu, mais il tourne la Bible dans un mauvais sens. Alléluia. Et tout la Bible dans un mauvais sens dans le but de nous détruire. Dieu a établi ses commandements. Il a établi ses lois. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais lorsque Satan, qui est l'accusateur, lui, il prend son temps, qu'est-ce qu'il prend son temps pour rôder? Alléluia. Il prend son temps pour se promener. Lorsque Satan va aller devant le trône de Dieu pour avoir Dieu, Dieu lui a posé une question. Il dit, je me suis promené. Alléluia. Le diable ne bat partout à la fois. Alléluia. Mais il place ses agents partout. Des sorciers, des esprits partout. Dans tout lieu, dans le but de lui donner les informations possibles. Alléluia. On va prendre le livre de Job. Job chapitre 1, le verset 7. Job chapitre 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Où est-ce que tu viens? Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre. De parcourir la terre. Et de m'y promener. Et de m'y promener. Alléluia. Alléluia. Depuis que le diable a fait sa chute, il ne reste pas tranquille. Il ne fait que se promener. Se promener. Se promener. Se promener. Se promener. Pour voir le comportement ou l'attitude des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que par exemple, Dieu dit dans sa parole, tu ne bois pas, c'est un exemple, tu ne dois pas boire de l'eau. Alléluia. C'est un exemple. Dieu dit dans sa parole que on ne doit jamais boire de l'eau. C'est écrit dans la Bible. Et Satan regarde. Les enfants de Dieu ne doivent pas boire de l'eau, c'est écrit.
Mais lorsque tu bois, Satan va t'accuser. Il va aller devant Dieu pour dire, Élie que tu connais là, Élie qui dit il est ton serviteur là, il a désobéi à ta parole. Alléluia. Alléluia. Quand on va verset 14, le verset 15, on va voir ce qui est écrit. Jean 14, 15. Jean 14, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui prétend dire qu'il aime Jésus là, il doit garder les commandements de l'Éternel. Alléluia. La Bible là, elle est composée des commandements de l'Éternel. La Bible là, elle est composée des préceptes, des lois de l'Éternel. Donc si quelqu'un dit qu'il aime Jésus, tu dois faire quoi? Tu dois mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, Satan va t'accuser. Alléluia. Amen. Il va t'accuser devant Dieu. Et comprends que Dieu, il est le Dieu de justice. Il est dans sa parole. Il ne peut pas être au-delà de sa parole. Alléluia. Il ne peut pas être aussi en dessous de sa parole. C'est-à-dire, quand on dit Dieu, c'est la parole qu'on doit voir. Alléluia. Malachie chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Non, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas en dessous de sa parole. Il n'est pas au-delà de la parole. Mais il laisse la parole. Ce qui définit Dieu, c'est la parole. Raison pour laquelle toutes choses ont été créées par la parole. Donc Dieu qui est le Dieu de justice, par contre Satan est légaliste. Elle dit ce que Dieu a dit. Alléluia. Lui, Dieu, ce qu'il a dit et ce qu'il va faire. Il a dit au temps de Noé qu'il allait envoyer le déluge pour détruire l'humanité au temps de Noé. Il a fait. Alléluia. Au temps de Sodome et de Gomorre, Dieu a dit qu'il allait envoyer le feu pour détruire ces deux villes-là. Il a fait. Alléluia. Ésaïe avait prophétisé que un fils viendra dans ce monde-là. On l'appelait admirable, conseiller, Dieu puissant, qui est venu sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu. Et Jésus, selon Jean 14, verset 18. Jean 14, 18. Je lis. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il ne laissera pas orphelin. Effectivement, le Seigneur l'a par son esprit. Alléluia. Il a dit qu'il va nous préparer une place. Et quand il va finir de nous préparer une place, il va venir nous prendre. Alléluia. Bienvenue de Dieu, toi qui t'appelles chrétien. Si ta robe est sale, tu ne pourras pas avoir accès au royaume de Dieu comme l'homme de Dieu, Jésus, qui est en train d'aller au ciel et qui s'attend à sa propre religion. Alléluia. 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 Amen. Voilà. Comprenons que. Voici notre vie. Notre vie est barricadée. Il n'y a pas de porte dans notre vie. Aucun esprit n'a le droit d'entrer en nous. Alléluia. Parce que nous sommes la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Dans cette maison, lorsque elle est pure, elle est sans tâche, aucun esprit n'a le droit d'entrer dans cette maison. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va voir bel et bien les personnes qui sont possédées, qui sont arrivées de tel esprit. Pourquoi est-ce que les esprits de solution, les esprits d'adultère, d'impudicité, de vol, quand un enfant est là, on n'apprend pas à voler. Mais lui, il réussit à voler. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que l'enfant vole? Alléluia. Au contraire, l'enfant est habité par un esprit. On va prendre le livre de. Le livre
1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset de 1 Corinthiens montre que nous sommes arrêtés dans la maison du Saint-Esprit. Et tant que cette maison va rester sainte, alléluia, aucun esprit ne pourra entrer dans cette maison. Alléluia. Amen. Nous allons voir, par exemple, alléluia. Bienvenue de Dieu, comprenons que nous sommes entre deux puissances. Il y a le monde des ténèbres et puis il y a le Seigneur Jésus-Christ. Par moment, il nous arrive parfois, par exemple, tu vas aller faire quelque chose, une bêtise par exemple, tu vois ton père te le gifler, quelque chose te dit, il faut le gifler. Tu vas pas dire ténèbres, quelque chose te dit, non, c'est ton frère, pourquoi tu vas le gifler? Tu attends cette fois. Deux fois, tu te parles pour continuer. Elle dit, tu veux faire quelque chose te dit, pour faire. Quelque chose t'est dit de ne pas faire. Qui remarque cela? Souvent. Alléluia. Ces deux entités. Il y a le Saint-Esprit qui nous parle pour ne pas qu'on fasse le mal. Par contre, il y a le diable qui nous parle pour qu'on puisse faire le mal. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque Satan nous parle, faut voler. Oh, faut faire ça. Oh, faut t'appuyer de cette manière. Et que quand on obéit à cette voix, on ouvre une porte à ce esprit-là. Alléluia. Et lorsqu'on ouvre porte à cette voix qui nous a parlé, on dit que faut mentir. Quelqu'un t'a donné 1000 francs. Et tu vas à la boutique. Et toi, tu reviens, sinon l'argent est tombé. Alléluia. Amen. Alléluia. Du moment où tu dis que l'argent est tombé, tu as accompli la volonté du diable. Donc le diable qui te voyait mentir, lorsque tu mens, c'est comme si tu deviens son ami. Lorsque tu pêches, c'est comme si tu ouvres une porte d'accès à Satan de ta vie. Tu lui dis, le diable n'a pas besoin qu'on dit, Satan, aujourd'hui, viens, viens, t'as marché avec toi. Du moment que tu pêches là, c'est comme, Satan vient. Et puis bien en toi. Maintenant, quand il va rentrer dans cette maison, qui est censée être la maison du Saint-Esprit, n'est plus la maison du Saint-Esprit, mais au contraire, cette maison, qui était pas autrefois la maison du Saint-Esprit, devient l'habitation du démon. Alléluia. Comprenez que les esprits, ils travaillent en collaboration. Si l'esprit du mensonge est là, il va appeler son ami sûr, qui est l'esprit du vol. Alléluia. Et quand l'esprit du vol va venir, il va appeler son ami braqueur. Et quand Braquet va venir, le démon Braquet va venir, il va appeler encore d'autres esprits. Alléluia. Amen. Et ils seront des gens dans la vie d'une personne. Or, un légion de démons, ça va être 13 000 démons. Alléluia. La Bible nous parle de légion. Mais les agents du diable sont quand même des démons. Et qui donne un témoignage, quand il dit, un légion, ils ont la connaissance des démons. Par contre, la Bible ne parle pas de 13 000 démons. Et comme ils ont travaillé avec le monde des ténèbres, quand on dit légion, eux, ils disent que, ah, légion, il y a là 13 000 démons. Alléluia. Le démon, les démons qui étaient dans la vie du fou de Gadara, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus, Jésus leur a demandé, quel est ton nom? Il dit, légion. Est mon nom. Alléluia. Légion est mon nom. Donc, ces 13 000 démons, et tous, ils ont fait son entrée dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et la personne qui était calme auparavant, qui ne buvait pas de l'alcool,
qui ne demandait pas. Est-ce que vous suivez ici? Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, arrêtez de vous répondre. Parce que c'est très, 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 très important. Alléluia. Donc, ces 13 000 démons vont faire entrer dans la vie de la personne. Puisque chaque démon, son comportement, il y a des démons, il y a des démons menteurs, des démons qui se drogent, qui font des gens se droguer, des démons d'impudicité, des démons qui vont accepter qu'en tant qu'homme, il faut coucher avec ton ami garçon, des démons qui vont pousser l'homme. Une fille a couché avec sa seule femme. Alléluia. Donc, tous ces démons-là, quand ils sont dans ta vie, bien-aimé de Dieu, si ces démons ne sortent pas de toi, tu ne peux pas avoir la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Même que ces démons partent de toi, tu dois premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout esprit. Alléluia. Et raison pour laquelle la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom Jésus, toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre doit fléchir genou. Alléluia. Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est le seul. Alléluia. Donc, quand c'est très bien démontré dans la vie de la personne, ils vont pousser cette personne-là à se révéler contre Dieu. Alléluia. À se révéler contre Dieu. Et lorsqu'on ne peut pas évangéliser, ça démontre que tu sois dans la vie d'une personne. On va évangéliser, tu entends la voix de Jésus, mon frère Jésus t'aime, donc ta vie à Jésus-Christ, alléluia, il va commencer à voir la guerre dans la vie de cette personne. La personne peut prendre l'engagement d'accepter le Seigneur Jésus. Mais dans sa tête, elle a dit non, Jésus là, c'est une histoire de blanc. Jésus là, c'est mensonge. Alléluia, alléluia. Vous ne comprenez pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à un moment, le Seigneur Jésus-Christ va commencer à commander ces démons-là. Et ces personnes vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si vous voyez une personne que vous évangélisez, il vient à l'église aujourd'hui, et puis non, après un mois, il dit que non, ça ne l'intéresse pas. C'est que ces esprits sont dans sa vie. Donc, on doit décider pour cette personne-là. Alléluia. On doit décider pour cette personne. C'est lorsqu'on sera en train d'intercéder que le Seigneur va faire le travail. Donc, comprenez aussi que ici, c'est toi, par exemple, c'est ta vie qui est là. Et dans ta vie, il y a 13 000 démons. Tant que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, bien-aimé de Dieu, ces démons ont une seule mission, selon Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'objectif du diable, voler. Égorger. Voler. Voler. Égorger. Égorger. Et détruire. Et détruire. C'est-à-dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Le diable te tourne pour sa volonté et il va te gorger. Alléluia. Amen. Il va le voler. Voilà. Il le vole, il le gorge et il le détruit. C'est-à-dire, égorger là, c'est de le tuer. Et même le détruire là, ça c'est un enfer. Parce que toutes ces personnes qui ont ces démons en eux, quand tu vas en enfer, c'est pour être détruit. Alléluia. Amen. Par les questions de ta vie. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux ta délivrance, voici ce que la Bible représente. Il y a des esprits qui sont des esprits coriaces, qui sont dans la vie de cette personne-là. On va voir une histoire dans la Bible, je ne me rappelle pas de ce verset, ça m'échappe. Où les disciples sont allés chasser l'esprit n'est pas parti, sont allés demander à Jésus, Jésus nous a dit que ces esprits se demandent, ils ne sortent que par le jeu et par la première. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Matthieu 17, non. Matthieu 17, maintenant. Non, verset 14. Oui. Mais c'est toute l'histoire qui commence à partir du verset 14. Et au verset 22, c'est là que Jésus dit que c'est soit le démon. Non,
Non, ça c'est lui qui parle de ça. Ici, ça fait. Matthieu dit que ces sortes de démons ne sortent que par la prière. Oui, et par le jeûne. Oui, oui. Ah, d'accord. Il faudra me dire merci beaucoup, le Seigneur. Ça me charge, c'est l'autre là qui est dans ma tête. Donc je lis à partir de 8, merci. 14. D'accord. Matthieu 17, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule. Il faut lire le verset 21. Ok, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On va pas lire toute l'histoire. Les disciples de Jésus sont allés un jour chasser un démon. L'esprit dit moi là, je ne bouge pas au bout. Alléluia. Amen. Partout Jésus les a envoyés, ils avaient l'autorité de chasser tout esprit. Et même ils venaient dire à Jésus que quand ils nous envoyaient, ils étaient contents, ils étaient obligés. Même quand on dit démon sort, ils obéissent. Et Jésus les a dit que ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vont faire, vous sont soumis, mais recevez au contraire que votre nom a décrit dans le royaume des cieux. Mais ici là, quand ils sont les démons, moi je ne bouge pas. Alléluia. Moi je ne bouge pas. Et ils sont venus demander à Jésus pourquoi l'esprit n'est pas parti. Jésus les a reproché et même les incrédulités. Et Christ dit par rapport que ces gens de démons là, ils ne sont que par le jeûne et par la prière. Regardez bien cette image là. C'est un barrage. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup cette illustration parce que quand je prends, c'est clair, c'est simple. Bienvenue dans un barrage, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, dans un barrage, on trouve quoi? On trouve de l'eau. D'accord? Et toi? Dans un barrage, premièrement, on trouve de l'eau. Alléluia. On trouve de l'eau. Et dans l'eau, on va trouver quoi? Des poissons, il y a des serpents, il y a des tortues, il y a des. Tous ces animaux marins. Alléluia. Amen. Mais tous ces animaux marins, est-ce qu'ils ont le même comportement? Ils n'ont pas le même comportement. Alléluia. Il y a des baleines dedans. Il y a des requins dedans. Il y a même aussi des monstres. Ésaïe 21. Non, Ésaïe 27, on va voir. Ésaïe 21, verset 22. Donc Ésaïe 27, du moins. Ésaïe chapitre 27. Quel verset? Ésaïe 27. D'accord. Ésaïe 27. En ce jour, l'Éternel frappera sa dure. L'Éternel frappera de sa dure. Grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard. Il dit le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan. Serpent tortueux. Serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Dans la réalité, dans la mer, il y a des monstres. Alléluia. Mm. Donc, comprenons que chaque animal qui vit dans la mer a son comportement. Alléluia. Mm. Chacun son comportement. Prenons l'exemple. Quand il y a la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Des poissons meurent. Alléluia. Des poissons meurent. Maintenant, est-ce que le serpent lui meurt? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort parce qu'il n'y a plus d'eau. Les crabes aussi. Il y a aussi grenouilles, il y a crapaud aussi, il y a les crabes. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sortent. Alléluia. Donc on connaît ici que lorsque tu es en train de gérer, c'est que il y a la sécheresse en toi. Et donc, quand il y a cette sécheresse en toi, là, les démons, comme les poissons, c'était l'exemple. Les démons qui représentent les poissons, et qu'est-ce qu'ils font? Et on n'a pas besoin même de faire feu. On n'a pas besoin de faire feu, ils vont mourir. Alléluia. Mais comprenons ici que même la délivrance elle-même, là, ça se résume en la réponse. Alléluia. Amen. La délivrance se résume en la repentance. Alléluia. Donc lorsque tu prends un moment de jeûne, les esprits sont dans ta vie à cause de ton péché. Lorsque tu prends un moment de jeûne, il y a premièrement, il y a la sécheresse. Alléluia. Il y a la sécheresse. Et lorsque tu
demande pardon à Dieu de tous tes péchés, les esprits qui sont dans ta vie, comme ces poissons-là, ils sont exposés. Alléluia. Et là, s'ils sont exposés, en même temps, à la sécheresse, ils n'ont plus de place, ils vont commencer à sortir. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous venez à Jésus le bien, on vous demande que votre dépendance soit sincère. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché mène en enfer. Lorsque tu dis non, ça va, j'ai donné, c'est quatre fois de mon père, pas dit. Alléluia. Non, c'est 10 000 francs là que j'ai dit. Bien-aimé de Dieu, les 50 fois que tu as volé, le diable va s'appuyer sur ça pour être dans ta vie. Donc, pour que le diable sorte de ta vie, tu dois avouer tous les péchés que tu as commis. Alléluia. On va prendre Jérémie. Jérémie, chapitre 13, verset 3. Jérémie 13, verset 3. Jérémie 13, verset 3. Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Jérémie 13, 3. On fait la base pour moi. Jérémie chapitre 13, non, pourquoi Jérémie 3, 13? Jérémie 3, 13. Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Dieu nous demande de reconnaître seulement nos iniquités. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel. On doit reconnaître qu'on a désobéi à Dieu. On a été infidèle à lui. Que tu as dirigé ça et là tes pas. Et qu'on a conduit nos pas vers les dieux étrangers. Pour adorer les dieux étrangers. Sous toute averse. Sous toute averse. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Et on n'a pas écouté ses commandements. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque tu es sincère dans ta repentance, Dieu, lui, il se charge de te délivrer. Alléluia. La première chose que tu dois faire, c'est premièrement reconnaître. Tu vas reconnaître tes péchés. Alléluia. Parce que si tu ne reconnais pas que prendre l'argent dans la poche d'une personne sans lui dire c'est du vol, la vie de Dieu, tu ne sais pas. Je ne vais pas lui confesser. La première chose que tu vas reconnaître, on va prendre un Jean. Un Jean, ça veut dire 1, le verset 7, 8, 9, 10. Un Jean, verset 7. 1 Jean 1, verset 7, je lis au nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière. Verset 6. Comment? Verset 6. D'accord, comment ça, verset 6? D'accord. Sous confession. Verset 6. Vas-y. Je commence au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Non, faut lire le verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Il y a des gens qui disent que eux là, ils n'ont pas de péché. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu fais partie de ces gens? Si tu n'as pas de péché, on te donne la porte à toi, c'est pas parmi nous. Alléluia. Jésus a dit que celui qui va à l'hôpital là, c'est celui qui est malade, celui qui a besoin de médecin. Au contraire, celui qui n'est pas malade là, il ne doit pas aller à l'hôpital. Alléluia. Donc si tu n'es pas malade, tu t'es tombé pour être ici là. Et le Dieu, tu as pris la porte. Alléluia. Mais si ce n'est pas le cas que tu es malade, tu dois reconnaître tes péchés. Tu dois reconnaître que tu es pécheresse ou tu es pécheur. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si on dit qu'on n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. On se séduit nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais quand la vérité n'est pas en toi là, c'est que tu es menteur. Donc en réalité, tu es un pécheur. Alléluia, continue. Si nous confessons nos péchés, il dit si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Deuxièmement, alléluia. Premièrement, reconnaître ses péchés. D'accord. Premièrement, reconnaître ses péchés. Et deuxièmement, confesser ses péchés. Et oui, vas-y, le verset 8. Si nous confessons nos péchés, verset 9, je suis au verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Ce que la Bible nous a dit ici dans 1 Jean 1, le verset 8, 9, 10. Bienvenue de Dieu, il insiste beaucoup sur la confession des péchés. Si nous confessons nos péchés, sachez-là que le Seigneur Jésus pourra nous pardonner. Alléluia. Amen. Mais confesser seulement ne suffit pas pour avoir le pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant que tu lui dis de ne pas, par exemple, de ne pas chier, par exemple, dans la maison. L'enfant, il chie et il vient et te demande pardon. Et après qu'il finit de te demander pardon, et il va encore chier. Il revient encore te demander pardon. Et il va encore chier. Bienvenue de Dieu, de toi, d'abord. Quel sera ton comportement vis-à-vis de l'enfant? Tu vas le frapper, non? Mais si tu le frappes, qui continue, qu'est-ce que tu as fait? Et maman, reprends-nous. Ça, c'est pour vous. Tu vas l'envoyer chez un docteur. Si c'est la maison, tu n'as pas chez un docteur, mais si c'est spirituellement, tu peux l'envoyer chez un docteur. Alléluia. Pour dire que quoi? Aujourd'hui, il y a des personnes qui savent que le mensonge à Dieu n'aime pas. Et bien, ils vont vous dire, Seigneur, pardonne-moi, je te mentis. Bienvenue de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas te pardonner. Il y a des personnes qui mentent, ils viennent, ils pleurent. Quand tu te vois à l'église, là, ils transpirent le mot Seigneur, pardonne-moi. Lui qui a menti aujourd'hui, l'homme vient à prêcher, il a pleuré en se confessant. Demain, tu vas le voir dans les mêmes choses. Est-ce que cette personne, Dieu peut lui pardonner? Dieu ne peut pas lui pardonner. C'est un peu comme si, bon, lui donne à vous, non? C'est comme si tu l'as pris, tu viens le laver. Quand tu viens le laver, là, pas. Il retourne là-bas. Donc, ces gens ne peuvent pas que là. Lui, il faut le laisser là-bas comme ça. Si tu le laves là, tu devras te cadeau. Parce que tu as fini. Tu as commandé. Il va retourner là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu ne reconnais pas que voler, c'est un péché là, tu as caché. Si tu reconnais et tu ne reconnais pas et que tu ne confesses pas, tu as caché. Alléluia. Et dit si. Vas-y. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. C'est pas me dire que tu as devenu riche. Prospérer là, c'est la délivrance. Prospérer là, c'est d'avoir l'amour de Dieu, c'est d'avoir le pardon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui les avoue, il dit que celui qui les avoue encore et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. On est pas de Dieu. Mais celui qui les avoue. Celui qui les avoue. Avouer, c'est la même chose que confesser. Confesser, c'est la même chose que dire. Alléluia. Amen. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc celui qui reconnaît ses péchés, qui les confesse. Et les abandonne, obtient quoi? La miséricorde. Obtient quoi? La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et Dieu. Et dans la miséricorde de Dieu, là, il y a le pardon. Dieu nous pardonne à cause de sa miséricorde. Dieu nous pardonne à cause de son amour. Dieu nous pardonne à cause de sa compassion.
Alléluia. Bien me dire, tu as compris. Tu es venu pour que le Seigneur te délivre là. Quand le Seigneur va te délivrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore retourner. Tu vas encore retourner. Tu n'as pas répondu. Je t'ai parlé. Si tu détournais ma tête, si tu as compris ce que j'ai dit. Mange-toi. Je t'ai parlé. Tu m'as entendu, non? Ce que tu as dit n'est pas entendu. Je voudrais poser une question. Oui. Oui. Je vais vous demander si, comment dire, si Dieu nous pardonne, est-ce que nous allons retourner dans la prison? Je demande, est-ce que tu vas retourner? Non. Retourner est différent de retourner. Je n'ai pas dit tomber. J'ai dit retourner. Combien? C'est clair. Retourner. De ma propre volonté, je ne veux pas retourner. Mais comme aussi, on dit que. Comment dirais-je? Celui qui dit moi qu'il n'a pas péché, que le Dieu est menteur. Est-ce que après avoir reçu la délivrance, après avoir décidé de marcher effectivement le Seigneur, est-ce que peut-on vivre sans autant de mal, sans péché, de sa propre volonté? Non. Oui, je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que peut-on vivre, non, que depuis que je me suis délivré là, je ne pêche plus? Est-ce que c'est possible? On va prendre Jérémie chapitre 20, Somme chapitre 13. Somme toujours chapitre 13, voilà, Somme toujours chapitre 13. Somme 19, verset 13. Somme 19, verset 13. Somme 19, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Ici, c'est David qui parle. Il pose la question de savoir qui connaît ses péchés. Pardonne-moi ce que j'ignore. Alléluia. Alléluia. Et nous vivons dans un monde impur. Réponds à la question, s'il te plaît. Je demande pour lui. On décide de pardonner. On décide de marcher selon la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on peut. Et nous, tous les jours, 100%, sans fléchir, sans connaître quelquefois. C'est possible. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de pécher. Lorsque c'est quoi la Bible demande d'être dans le Saint-Esprit. La Bible de Dieu n'est pas fait ça, n'est pas fait ça. C'est nous-mêmes par notre entêtement qu'on va encore pécher et on va regretter et on revient vers Dieu. Alléluia. Et dis pas, je m'en vais au Père. Et quand je m'en serai allé, il vous enverra le consolateur. Et l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Alléluia. Dans la Bible, il y a certains qui me jouent. La Bible parle des tresses. Moi, je ne dis pas qu'on ne voit pas des mèches. Pourquoi on dit à monsieur de ne pas porter la mèche pour moi. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincu que c'est Jézabel. Alléluia. Alléluia. Après avoir reçu la délivrance, et que si on est au bout du Saint-Esprit, on ne va pas commettre le même péché. Alléluia. C'est parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit qu'on tombe dans le péché. Mais ici, nous sommes du 9 verset 13. Et dis-moi, qui connaît cet égarement? Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde impur. Tous les jours de notre vie, on doit demander pardon à Dieu. Si tu as péché volontairement, ou que tu n'as pas péché volontairement, tu dois demander pardon à Dieu. Tu peux être en train de passer là, tu vas marcher sur pied de quelqu'un qui ne s'aime pas. Alléluia. David dit, pardonne-moi ce que j'ignore. Mais ici, ignorer, c'est être inconscient. Alléluia. Être inconscient. Je peux vous demander quelque chose. D'accord. Moi, je demande ça parce que. Hier même, je l'ai appelé dans mon Dieu. Je suis en train de faire des papiers. J'ai tout fait pour rester dans la légalité, pour faire les papiers. Mais il se trouve que celui qui doit faire les papiers demande à ce qu'on lui donne quelque chose pour faire les papiers. Alléluia. Moi, je dois composer le bac. Et actuellement, on sait qu'il y a encore une fois ici pour avoir le bac.
Il faut étudier. Alléluia. Je prends mon temps pour parler, ne pas étudier. Maintenant, le jour du concours, les Chiléens, vous allez là, donnez 2000, on va vous montrer. En tant qu'enfant de Dieu, je vais obéir. Je n'ai pas obéi. Ici là, Dieu est le Dieu de justice. Par contre, Lucifer est légaliste. Donc, les papiers que tu dois faire, ça doit être dans les normes. Alléluia. L'argent que je vais te donner là, est-ce ce que la loi dit? La loi ne dit pas ça. La loi ne dit pas ça. Mais ceux qui sont à la tête, qui s'occupent, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, lui, il est là. Il travaille au compte de qui? Donc, normalement, quand il va mettre des papiers là, c'est l'État qui est censé lui donner son salaire. Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme si tu viens à la délivrance. Nous sommes les oubliés du Seigneur Jésus. Tout ce qu'on fait là, c'est le Seigneur qui va nous payer. Maintenant, nous, on dit, ah, viens me servir quand même. Tu es malade, ah, à la délivrance là. 5 000 là, au lieu de prendre, on va prendre celle-là. Tu vas la laisser, moi, tu te payer. Est-ce que tu vas accepter? C'est la faute, c'est la corruption. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Papa, comme l'homme de Dieu, là, c'est là, c'est quelque chose à dire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous en aide. Amen. La sainteté est une affaire de la nature de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je suis venu de faire, je suis en train d'insister sur tout ce lot-là. Tout ça fait partie de la repentance. Reconnaître, confesser, avouer, abandonner. Tout ça fait partie de la repentance. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez saints comme des clones, mais plus grands comme des serpents. Dans l'administration, il y a ce qui est la voie légale. Et puis il y a ce qui est la route. Alléluia. Quand je vais dans l'administration, et puis je ne vais pas dans la voie légale. C'est-à-dire que je vais déposer mon dossier, on est censé me donner un reçu. Quand j'ai fini, je me retourne. Maintenant, si je prends la voie contournée, je vois quelqu'un qui est dehors, il dit, mon frère, tu peux faire la vie. Il dit, il faut de l'incubation. Alléluia. Donc, quelle est la voie que tu as empruntée? Est-ce que c'est la voie normale? Si elle est normale, il y a un reçu comme ça. Je te pose la question. Non, il n'y a pas de monsieur. La voix qui était en là, c'est qu'elle a trouvé le monsieur assis dans son administration. Voici la voix légale, à pied, il donne l'argent. C'est fini. Explique, pardon. Moi, je travaillais à Tomba. Avant de. J'ai une invitation de quitter tout va venir à Tomba. J'ai donné l'argent que j'ai. Tout va venir à Tomba. Là, j'ai fait la voix, mais pas de Dieu. Ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. L'année passée, j'ai dit que je venais rester ici à l'hôpital pour parler. J'avais même donné le sujet de la prière. C'est ça. Je connais quelqu'un à qui je peux bien donner l'argent pour me faire des sujets. C'est la voie illégale toujours. Ça, c'est toujours la voie illégale. Voilà. Mais j'ai dit non, que je ne veux pas passer par la voie illégale. Je veux passer par la voie légale. Donc, j'ai cherché maintenant une permutation. Et on a réussi à avoir un bien, même pas une permutation. Deux personnes, on a dû avoir une permutation à toi. C'est-à-dire, moi je viens à Abidjan, celle qui est à Abidjan, elle va à Soulé, puis celle qui est à Soulé, elle vient à Daloa. On va avec les dossiers dans l'intention de donner, comment dirais-je, au monsieur. Bon, la troisième avec qui on est, elle a dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut donner le dossier au monsieur. Elle connaît quelqu'un qui peut donner le dossier au monsieur. Et on arrive là-bas, c'est quelqu'un, moi pour moi, en tout cas dans mon entendement, il allait nous aider à trouver le patron. Il ne nous a pas aidé à trouver le patron. Lui, il prend les dossiers, il rentre dedans là-bas, après il sort, il nous dit non que le monsieur lui prend 100 000. Donc la voie est illégale. Quand on est illégal, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Comment? Là, elle m'avait déjà eu. Et elle a dit non, préparer 100 000. Moi, pour moi, étant donné qu'on va voir le directeur, quand il est à 100 000, c'est totalement la situation difficile pour moi. Ah, c'est toi qui allais voir le directeur? Non, moi, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé voir le
On en poursuit la voix de Dieu. Pour laisser pénétration. La voix légale, c'est que nous pouvons, on a une voix. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Tu vois, non, c'est la voix des données là. Donc tu devrais sortir l'argent. C'est encore illégal. Partez vous toi, allez-y voir le BG. C'est la voix légale de la vie. C'est fini. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Parce que le diable là, il connaît la parole. Il connaît. Il est légaliste et puis il est l'accusateur. Dieu nous exhorte d'être dans la sainteté, d'être dans la justice. Ouais, alléluia. C'est aujourd'hui comme des chrétiens qui vivent aller au ciel, mais ils veulent prendre des raccourcis. Quand on a dit de se débrouiller, de ne pas se débrouiller, et parce qu'ils vont aller au ciel comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu prends ton sujet, tu mets devant le Seigneur. Parce que le mariage d'un frère à l'église, là, à l'église à Bobo, il a passé beaucoup dans la fonction publique. Et quand il a fini de faire le préparatif, il devait composer, on l'a dit, pour que tu puisses avoir ton concours là. Cotiser. Il est venu me voir. Lui fait comment? Il dit, bien aimé, je suis le Dieu de la sainteté. Alléluia. Quand on a lu de Néhou chapitre 2, le verset 20, dit que Jésus-Christ me donnera le suceur. Quand il allait composer, il a été le seul à avoir le concours dans la salle qu'ils ont demandé de l'argent. Ceux même qui ont misé là, Jésus, ils n'ont pas eu. Et, ça, Jésus. Et Jésus a toujours été comme ça. Moi-même, en 2016, quand j'ai passé le BBC, tous ceux qui ont cotisé, personne dans ma salle de composition, j'ai été le seul à avoir le BBC. Alléluia, Jésus. Donc, prends la voie légale. Peut-être que tu vas partir, toi seul-même, là. Tu seras surpris. Quand on va lire le texte, dans les lois, Darius qui était là, le roi qui était là au temps d'Esther. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas le droit d'aller vers le roi si le roi ne l'a pas appelé. Si tu n'es pas sa femme, et même si tu es sa femme, il t'a pas appelé que tu n'as pas là. On te tue. Mais lorsque Aman devait tuer les Juifs, et que son homme, Mardochée, allait dire Esther, voici ce qu'Aman est en train de faire. Il a fait pas, il a mis trois jours de jeûne sec. C'est pas en face de jeûne d'Esther. Il dit, si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Quand elle allait, le roi lui a tendu la verge d'or. Alléluia. Alléluia. Donc si tu te mets dans un moment de prière, pour dire, Seigneur, je suis à Dalo ici, ça va rentrer, je vais aller à Abidjan. Quand je vais aller rencontrer le directeur, tout ce que je vais dire, qu'il accepte, que je te rende gloire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénisse. Tu as fait d'autres questions? Non, ça va. Donc, comprenez qu'après la délivrance, c'est possible maintenant de vivre sans péché. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné son esprit qui va nous conduire. C'est à cause de nos entêtements. Quand on voit pour ceux qui ont été une fois dégagés, montons là. Il te connaît. Quand tu arrives, quand tu l'appelles, il vient. Mais si tu es un étranger, quand il te voit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, après avoir reçu la dépense, quand tu vois le péché, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des gens qui vont chercher à embrasser le péché. Tu vas chercher à crasser le péché. Mais le péché, c'est quoi? Tu as tes morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'insiste beaucoup sur la confession des péchés. On a amené des meilleurs noms de Dieu de Benjamin qui. Mais je vais te dire son nom. J'ai dit parce qu'il était là, il a fait sa délivrance. Bien, mais le Dieu, quand il s'est confessé, moi-même, j'avais peur de sa vie passée. J'ai dit, c'est une incompréhension parce qu'il abomine tellement de choses abominables que. Mais quand je l'ai enseigné, il allait se confesser. Même qu'il était sincère,
Jésus-Christ a déjà fait le travail. Moi, j'ai mis dans ma tête que, ah, ça va, les démons là, c'est ce qui vont beaucoup nous fatiguer ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on voit la vie d'une personne, BD, ou soit lesbienne, inceste, tout, ah, ça là, on a fait le démon, on l'a fait. Mais tant qu'il était sincère, et après sa confession dans son jeûne, il était en train de laver sa robe. Et les taches qui étaient sur sa robe, qui étaient devenues secs, il les a tous enlevés. Amen. Et quand on a prié, on a prié, on a prié, on a prié, il n'y a pas de manifestation. Il priait. Actuellement, les esprits dans mon corps. Quand on lui a demandé des songes, quand il a dit, ah, mais c'est quand il a fait le travail. Après, on prie le Saint-Esprit de l'homme. Alléluia. C'est quoi? Le diable n'aime pas qu'on l'expose. Satan n'aime pas qu'on l'expose. C'est un peu comme si. Viens, mon frère. On va voler. Par exemple, c'est lui qui me dit, ah, mon gars, j'ai vu une banque là-bas, ça, on peut braquer. C'est lui qui m'a inspiré. Il dit, d'accord. On va voler. Maintenant, après, je m'en vais derrière la police. Je me dis, ah, voici ce qui s'est passé. Il m'a dit, ah, on va voler. Et effectivement, on allait voler. Moi, mon agent. Mais si lui, d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je l'ai exposé. Il va prendre la fuite. Et lui, il va prendre cette police. Donc, le diable n'aime pas quand on l'expose. Donc, tu dois l'exposer. En confessant tes péchés. Et lorsque tu confesses tes péchés, tu dois prendre l'engagement d'abandonner. Tu dois décider d'abandonner. Et le Seigneur viendra te donner de la force. Alléluia. Moi, par exemple, dans ma famille, on est tous des Ivoiriens. Moi, j'ai commencé vraiment très tôt. Un bon matin, je suis allé au champ, j'ai l'extrême au bandit. J'ai bu. Et quand j'ai vu tout ça, c'est mon pareil. Je suis allé extraire encore pour midi là, parce qu'on veut matin, midi, et puis le soir. Quand j'ai envoyé, j'ai regardé de la poisson comme ça, il dit, bandit, toi et moi là, c'est fini. C'est fini aujourd'hui là, c'est fini. J'étais pas encore bien affirmé dans la parole. Et quand j'ai dit ça, il dit, décide aujourd'hui là de t'abandonner. J'ai versé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui là, bandit là. Il y a des gens qui disent que tu confesses le péché. Le péché, tu le fatigues, il confesse. Mais quand il voit le péché, il va pas embrasser le péché. C'est que tu n'as pas encore abandonné. Alléluia. Et on va prendre Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Mais maintenant, et dis quoi? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. Tu dois renoncer à la colère. À l'animosité. À l'animosité. À la méchanceté. À la méchanceté. À la calomnie. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas du tout d'ajouter. Renoncer là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Ne plus faire abandonner. Abandonner. Non, on a bien abandonné ici. Laissez tomber. Laissez tomber. Rejeter. Repousser. Alléluia. Quoi tout en gros? Comment? Refuser. C'est le mot qu'il voulait entendre. Refuser. Alléluia. Refuser. Répondez. Refuser. Dans le péché, on doit faire quoi? Refuser. On doit refuser. C'est un peu comme si, c'est comme un serpent qui est dans ma main, je te donne. Yeah! Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que tu dois marcher tous les jours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus te repentir. Il y a des péchés inconscients, on ne le sait pas. On peut être en train de marcher dans,
aller dans un endroit. En fait, tu sais quelque chose, ça va. C'est pas David. Que tu connaissais, c'est carrément. Pardonne-moi ce que j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, tout à l'heure, les hommes de Dieu vont comprendre. Voilà, quand on a fini, on va comprendre en train de faire l'entretien. Tu dois tout confesser. Tu ne dois rien garder pour toi-même. Si tu gardes quelque chose pour toi et que le feu est fort, le démon là, il va t'exposer. On a vu des personnes qui sont venues se connaître, c'est-à-dire que orgueil, mensonge, et bien pisser là. Et ils ont laissé ça. Quand on a commencé, les démons disent, mais lui, il est petit. C'est parce qu'il est petit que moi, je suis dans sa vie. Et depuis, bien, il ment encore. Donc, je suis là, je ne bouge pas. Mais quand la personne, on a vu le prier pour elle, on lui dit, maintenant, voici la honte qui a baissé son visage. Alléluia. Alléluia. Donc, bienvenue de Dieu, que son ministre abondamment. Comme Dieu là, je ne vais pas être égoïste. Je vais aussi la parole. Voilà. Donc, que son ministre abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez fortifiés. Alléluia. Vous savez, la repentance, là, c'est une étape très délicate dans la délivrance. Quand une repentance est bien faite, quand les démons ne vivent pas, quand le démon est exposé, parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Quand le péché est exposé, le démon ne peut plus rester. L'obligé de partir. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être sincère dans votre repentance. Sincère. Ce n'est pas nous qui confessons vos péchés. C'est à Dieu. Qui sommes-nous pour pardonner pour vos péchés? C'est Jésus. Il dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. Ça n'existe pas. Mais il dit nous sommes gratuitement justifié en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi ta repentance là, elle doit être vraie, véritable, sincère. Comme un enfant qu'ils ont giflé tout à l'heure, mais demain ou tout à l'heure, son papa l'appelle, il est jugé. C'est comme ça. Le péché doit être vomi. Il doit être exposé. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que j'ai fait. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que le péché. Tous les péchés ont le même niveau. Le péché a rien à faire. Que tu aies menti, que tu aies désobéi, que tu sois blagueur, que tu sois sorcier, pécheur, ça a la même sentence. Son salaire, c'est la mort, enfer. Alléluia. Donc ne viens pas devant les hommes de Dieu. Et puis tu vas jouer. À qui tu manques pas? C'est à Dieu. Oh, lui, il connaît dans les secrets de l'homme. Lui, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Vous allez voir, pendant la délivrance, si le Seigneur fait grâce, quand il n'a pas confessé le péché, il va exposer lui-même. Il aura son problème. Il y a donc qui refusent de pardonner. Et c'est dans le cœur. Le péché le plus dangereux, c'est ce qui est dans le cœur. On ne voit pas. Les gens sont rancuniers. Il y a amertume dans le cœur. On ne les pardonne pas. On est colérique. On garde les choses dans le cœur. Et le cœur a devenu comme un magasin. Nous ne voyons pas vos cœurs. Qui voit? Jésus. Ça va bien, mais travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur, c'est très important. Il dit car c'est de la bonté de ton cœur que ta bouche parle. Donc, quand le péché a abondé trop dans ton cœur, il est obligé de sortir. Donc c'est parce qu'il y a le péché dans ton cœur que tu le commets physiquement. On va dire Dieu ne regarde pas, Dieu regarde à mon cœur, il ne regarde pas à mon corps. Le péché n'est conçu ici d'abord. Si tu dois tuer, c'est ici, c'est nourri. Si tu dois voler, c'est dans le cœur, c'est nourri. Si tu dois désobéir à tes parents, c'est dans ton cœur, là, c'est pas d'abord. Si tu dois mentir, c'est dans le cœur d'abord. Donc tout se fait dans le cœur. Si tu dois avoir un adultère, c'est dans ton cœur. Si tu dois être impudique, c'est dans ton cœur. Si tu dois faire la corruption, tu as une vie sale dans ton cœur. Regardez à votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confessez. Se répandir, c'est d'abord personnel. C'est d'abord individuel.
Parce qu'il y a une étape. Elle dit, Père, je reconnais que moi, je suis pécheur. Sur la base de ta parole, tu dis, personne n'est saint, personne. C'est parce qu'on a en Jésus que nous sommes sanctifiés. C'est parce qu'on a en Jésus que nous sommes pardonnés. C'est parce qu'on a en Jésus qu'on nous appelle saint. Sans Jésus, là, on est pécheur. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es dans la voiture, confesse. C'est dans la voiture, confesse tes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'en supplie. Qu'est-ce qui est caché dans ma vie? La colère, je ne peux pas laisser où? Aide-moi. Je ne respecte personne. Aide-moi. La repentance, là, elle est continue. Ce n'est pas un jour où on dit je ne répands. Non, non, non. Quand on marche en ville, là, quelqu'un veut s'arrêter comme ça, puis il pisse. Tu vois sa nudité, péché. Or, le Seigneur ne tenait pas la nudité de quelqu'un. Quand on rentre dans la rue, les gens ont mis des trucs au dehors. On s'habille comme on veut. Dès qu'on voit ça, nos yeux sont soumis, péché. Donc, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que, hé, comme je suis en Jésus, là, frère. Chaque jour, nous péchons involontairement. Donc, quoi? Réponds-toi continuellement. Réponds-toi. Dans la voix, la musique qu'on entend, ça suit nos oreilles. La musique qu'on entend, Dieu suit nos oreilles. On est obligé chaque jour de nous répandre. C'est retourner dans le péché volontairement qui n'est pas bon. Frère, prends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 10, 26. Je lis au nom de Jésus. Car si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, ça veut dire ce que c'est péché, et puis tu es là. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, oh, tu connais la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Peux-tu faire pour toi, pardonner? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen, amen, amen. Si nous péchons volontairement, c'est-à-dire je sais que c'est péché, je sais que désobéir à papa n'est pas bon, mais je suis dedans. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Tu sais que l'implicité n'est pas bon, mais tu es dedans. Tu sais que vol n'est pas bon, mais tu es dedans. Colère n'est pas bon, mais tu es dedans. Le Seigneur dit, il n'y a plus de sacrifice pour cette personne. On ne peut rien faire pour toi. Tout ce qui reste, c'est de te jeter à l'enfer. Alléluia. Mais ce n'est pas bon, et il te cache le bordé. On dit, il ne faut pas défriser les cheveux. Tu te caches pour défriser. Oh, tu sais la volonté. Tu connais la vérité. On dit, il ne faut pas porter cyclice. Tu te caches, tu mets cyclice à l'arrière de toi. Tu meurs là. Tu es dans l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Péché volontaire. C'est-à-dire, je connais la vérité, mais je m'entête à être dedans. Il a bleu. Ça n'est pas seulement. Là, on travaille, c'est tout la tête. On prie. On prie. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La fille de la personne, ça dit, elle est passée aux olives. Il y a quoi encore? C'est la grande Dieu. Le Seigneur dit, elle met encore pour moi dans Jésus. Malgré tout ce qu'on dit, cette doctrine, elle continue de toi pour moi. Mais dans ses cheveux. Alléluia. Amen. Voici ça. Ça dit, si elle mourait dans ça, elle ne peut pas voir Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, soyez sincère avec Dieu. Ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est Jésus. Donc ce matin, c'est Jésus qui a vous libéré. Ce n'est même pas Évangéliste Jérémie. Ce n'est même pas mon frère Élie. Ce n'est même pas ni quelqu'un. Non, c'est Jésus qui a fait son travail. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, il faut que tes regards soient sur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que je veux homme de Dieu qui est là-bas. Là. Quand lui prie là, on sent qu'il y a le feu, frère. L'homme délivre pas au. Parce qu'on fait comme ça, on bascule vite dans l'idolâtrie. Tu deviens idole sans le savoir.
C'est-à-dire, tu préfères l'homme de Dieu au lieu de Jésus lui-même. Sans le savoir, c'est un idolâtre. Or, le Seigneur dit dans Proverbe 21, aucun idolâtre ne va entrer au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui délivre. C'est Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit quand vous entendez. On va lire un peu. Il est bien dans la parole. On va prendre là. Maintenant, l'importance là, c'est quelque chose. Le péché, le diable nous accuse mal. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jérémie 17, versets 5 à 6. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Frère, arrête-toi. J'ai dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il n'a pas dit béni. Il se confie à l'homme. Il dit maudit. Et tu penses que c'est l'homme de Dieu qui a l'onction? Non. Tu penses qu'il y a un homme de Dieu qui est plus loin que l'autre? Non. Il dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tandis mon frère. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Quand il prie, le frère, il a la révélation. Le Seigneur lui montre les démons. Il a parole de connaissance. Qui se confie dans la chair. Continue mon frère. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc tu détournes tes regards de Jésus. Tu mets tes regards sur l'homme, sur le pasteur, sur le prophète, sur l'évangéliste, sur le docteur. Non. Continue mon frère. Il est comme un misérable. T'as réclamé ta confiance en l'homme, tu seras misérable. Parce que nous les hommes, on est limités. Il est comme un misérable, misérable dans le désert. Dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes que des hommes. Nous les hommes, on a nos imperfections. Alléluia. Dieu là, il est fidèle. Nous les hommes, on est infidèles. Tu peux te confier à un homme. Alléluia. Arrive un moment où tu vas te lâcher. On dit, ah, toi ton enfant, c'est tout, il faut le délire. Pour toi, c'est trop. Pourquoi? Parce que tu t'es confié en l'homme. Donc, arrivé à un moment, lui-même, il est fatigué. Oh, si tu as mis en Jésus, Jésus se fatigue jamais. Alléluia. Amen. Dans ta chambre, Jésus va te délivrer. Dans ta bouche, il va te délivrer. Dans ta maison, il va te délivrer. Au travail, il va te délivrer. Mais l'homme de Dieu ne peut pas te suivre partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous sécurise par sa grâce pour faire ce qu'il faut faire au moment précis ici. Là, où on est. C'est ce que Dieu fait. Occupe, nous l'utilise comme il veut. À la veille, nous l'utilise comme il veut. Maintenant, après, là, il fait comment? Jésus te suit partout. Lui, le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole dit, Dieu dit, il est omniprésent. Ça dit partout à la fois. Bien-aimé, mets tes regards sur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Amen. Dis Jésus, mais si même tu es rencontré ce matin, délivre-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Et que sa grâce localise tout ce qui doit être localisé en ce jour. Amen. Que tu ne sortes pas de ce lieu-là sans être transformé. Amen. Alléluia. Amen. Que ton cœur soit sincère en ce matin. Ne dis pas que j'ai honte de dire le péché. En Jésus, il n'y a pas de honte. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Amen. Quand tu as honte, là, Jésus aussi aura honte de toi. Il dit, celui qui a honte devant mon Père, non, qui a honte devant les hommes, je le honte lui devant mon Père. Il ne faut pas avoir honte. Vomis le péché. Dis, tu vois ce que Jésus va faire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Amen.
Donc restez concentrés, disciplinés, connectés à Jésus, priez dans votre âme, dans votre esprit. Pendant qu'on sera en train de recevoir d'autres personnes, ne restez pas en train de causer. Si tu peux méditer, médite. Reste disposé, reste concentré. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On va dismatcher. C'est bien, non? Il y a ceux qui sont venus faire de la délivrance. Ok. C'est ça. D'accord. Je te bénisse. Bien-aimé, on va se tenir debout. Comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, on ne va pas rester comme ça. Moi, j'aime danser, j'aime chanter. Voilà. Donc, une sœur va donner un cantique et puis on va danser pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas garder. Allez. Ici, là, tout le monde est chanté. Moi, à la fois, je vais chanter. Je vais chanter. Le Seigneur ne l'a pas voir. C'est lui-même qui a créé la voix qui t'a donné. Donc, si ça sonne mal, que ton frère tu chantes mal, Dieu lui dit que c'est bon. Si tu as un cantique, tu sais bien chanter, tu donnes le cantique, tu n'as pas la de Jésus. Dans la louange et l'adoration, le Seigneur lui dessin qui commence la délivrance. La plaie des bien-aimés qui ont expérimenté cela. Tu as dit, il faut chanter. Loue ton Dieu seulement, tu vas voir. Alléluia. Même de Dieu, il faut te disposer. Alléluia. C'est vrai que tu as gêné. Tu es ici. Et puis, tu as passé chez la nourriture. Tu m'as fait pitié. J'ai fait. Quel est le Dieu? Qui est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alléluia. Et puis, tu vas se passer. Donc, du moment que tu es ici, là, tu dois mettre tout ta pensée sur Jésus. Et tu dois oublier la terre. Tu dois voir Jésus. Jésus est ta pensée. Alléluia. C'est ça qu'on appelle. Tu es là. Tu es là, tu peux bien venir. Et. Quand il y a un autre mot, il y a ma chère Kalma. C'est de sa terre, ma chère Kalma. Je dis de l'enfant, tu vas reprendre encore ton jeu. Amen. Donc, disposez-vous. Alléluia. Par le Dieu. Moi, je le disais. Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va pas se parler? On va aller dans le bureau. Alléluia.